I mean penis inside of me. ASAP. This is the longest I've ever gone without sex since I started. Obviously, it's driving me crazy. Got it. She right? wouldn't have sex with me. I know that. For a while. Well, like, all I want is like a big fat sausage just destroying my body. So, if any of you guys know a good dick that doesn't have STDs on it, I'll take it. Right here. Bon les gars, aujourd'hui on va rigoler. Aujourd'hui on va rigoler, hein, et certaines femmes modernes vont comprendre pourquoi c'est important le passé d'une femme. Et pourquoi lorsqu'un homme il dit, parce que j'avais fait un short sur Instagram où je parlais de qu'est-ce qu'un homme traditionnel conservateur, mais en vérité c'est même tous les hommes, hein, recherchent une femme et qu'une femme reflète son homme. J'étais là, apparemment j'étais misogyne. Je sais pas, là tu vas avoir un cas, c'est des faits de toute façon, tu vas avoir un cas précis de, voilà, si jamais ta femme a un passé douteux, eh ben, les gens te respectent plus, c'est fini. Donc là on a le cas avec Logan Paul qui est en combat, enfin qui va faire un combat avec Dylan Danis, donc c'est prévu normalement le 14 octobre. Et tu connais Logan, il a bien trollé, il a voulu faire le fanfaron, il a voulu dire à Dylan Danis, ouais, mon frère, il a couché avec ton ex. Alors, c'est pas couché en vérité, ça se traduirait plus par, il a, mais je crois que c'est vulgaire, je peux pas le dire, mais il a plus ton ex, tu vois ce que je vais dire, voilà. Donc, il a rétorqué d'une certaine manière, on va voir ça ensemble. For those who don't know, Logan Paul recently announced his next fight with Brazilian Jiu-Jitsu world champion Dylan Danis. Which doesn't really make sense to me, because if you want to be seen as a boxer, you should fight boxers. But let's not get sidetracked. Ever since the announcement of this fight, Dylan Danis has been doing what he's been trained to do, going straight for the jugular. Over the course of 3 days, this man has posted Logan Paul's fiance with 57 different men. And I mean, it's rapper after rapper. Ça, c'est sa meuf, hein. Quand vous avez compris. Là, c'était elle, avec la sucette et tout comme ça, avec différents gars. Basketball player after basketball player, old rich guy after old rich guy. It's crazy. So his... Non, gars, c'est non. Là, c'est trop. Et là, il vient juste de se fiancer, hein. Logan Paul et sa meuf. Nina Agdal, she was spotted in Montauk over the weekend with her new boyfriend, Jack Brinkley Cook. And they were spotted together. She That's was humping him. Son, right? That's Christie Brinkley's son, her son with Peter Cook. Yeah. And so he's been dating Nina Agdal. They were at Gurney's in Montauk, and they were getting it on a little bit. They were at Gurney's, and she was on his lap, humping him, making out with him, kissing him. I'm glad that we have these pictures. Now look, as a... Ça, c'est ouf. Par contre, Leonardo, il est toujours dans le coin. C'est le gars dont tout le monde parle à chaque fois qu'il y a une histoire de meuf quelque part à Hollywood, hein, ou à LA. Mais lui, il parle jamais. Lui, il parle pas. Les gens parlent pour lui. C'est un truc de fou. Lui, à chaque fois qu'il passe, c'est oui, les gars, faut sauver la planète. Je me dis, est-ce que même c'est pas une couverture? Pour faire genre, non, je suis gentil. C'est vrai que j'ai connu quelques femmes. Bon, voilà, bon, mais faut sauver la planète, tu vois. Man, I personally believe if you have a problem with another man, you should address that man and leave his family out of it. But if I see you with 57 different men, if I'm Logan Paul, at some point I'm looking at you like, hold up. Non mais gars, t'imagines, 57, le gars il a posté sur son Twitter 57 photos différentes avec, avec sa fiancée, avec des gars. 57 gars. Et en plus j'ai vu un tweet de Andrew Tate, parce qu'apparemment Nylon, il était en DM avec Andrew Tate, et il a des trucs, il a des dossiers encore plus lourds. Mais il a dit, je peux pas les sortir parce que sinon bah déjà il va ruiner la carrière de Logan, sûr. Et lui, il ira en prison. Donc, il n'a pas envie, mais c'est pour te dire la lourdeur des dossiers qu'il a sur sa fiancée. Nah, gars. Et les meufs, après, elles veulent faire genre... Elles comprennent pas pourquoi, genre, c'est super important le passé. Pour une meuf avec qui tu veux te mettre en relation long terme, le passé, c'est super important. D'une part, parce que les gens vont pas te respecter, gars. Les gens vont pas te respecter. Sans parler du fait que, vu tout ce qu'elle a connu, tous les gars qu'elle a connu, là, elle a un body count de je sais pas combien, là. Là, on a seulement ceux avec les photos. Hein?
Et en plus, elle se le cache pas. Tu vas le voir dans la suite de la vidéo. Elle se le cache pas. Coquine, c'est une coquine. Alors, c'est une coquine, oui, c'est bien. Mais si jamais t'es coquine, mais tu. Non, même, c'est pas bon. Tu peux pas parler comme ça en public. Enfin, c'est juste ouf. Wait a minute. Something ain't right. You not having sex with me for the duration of time that you did was very important. You thought something was wrong with me. I'll be honest, I thought I did. You talked to Mike about it. I said, this girl's perfect as far as I can tell. There's one unexplored venture. No! 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 Oh là là, il s'est pris la douille. Ah, il s'est pris la douille. Il s'est pris la douille des meufs qui dépassent la trentaine et qui disent ouais j'ai pas couché avec un gars depuis 6 mois. Tiens, une fois qu'elles ont fait elles ont fait le tour de tout Hollywood, hein. Tous les gars, voilà. Après 30 ans, toujours elles restent 3-4 mois sans avoir de sexe, elles appellent ça reborn. Genre je redeviens vierge, je comme si je renais de nouveau. Non, c'est pas parce que t'es. Et ça, je l'ai même entendu de mes propres oreilles. Expérience perso. Une meuf qui m'a dit un jour ouais. Ça fait 6 mois, 7 mois que j'ai rien fait. J'ai 6 mois, 7 mois, la prochaine, je crois, le 29, ouais. 6 mois, 7 mois que j'ai rien fait, donc je suis une fille bien. Tu le vois bien. Je vois rien. Désolé, je vois rien du tout. Hein, voilà, non, je vois rien. Non. Donc lui, s'est pris la douille de ouais, elle a fait patienter un petit peu, et puis donc du coup, il croit que c'est une meuf bien. Ah, non, ça n'a rien à voir en fait. Parce que le problème, c'est que toi, t'as attendu. Alors que tous les autres, ils ont eu premier date, boum, premier soir, direct. Au moment que toi, t'as attendu, comme un teubé. Donc je sais pas qu'est-ce qui est le mieux ou pas là, Logan. Non, là, c'est chaud. Qu'est-ce que t'aurais fait? Dis-moi en commentaire ce que t'aurais fait. T'es là, t'es en pleine fiançailles, tu kiffes ta meuf, mais là, le gars, il sort des dossiers comme ça, 57 gars différents. Non. And I have reason to believe that there's probably something wrong with it because if it's too good to be true, probably it. I sucked a dick in a football stadium full of people once. I beg your pardon? Look, and I'm not saying she's been with all those guys, but it's something about how vulgar she is that makes you feel like she's seen way more boxers than just Logan Paul, if you get what I'm saying. I don't really think penises are that pretty, so I prefer you to hide it inside casually. Jesus Christ. Foods that make either of you gag. My gag reflex is pretty strong. Okay. Yeah. Okay. I have to say, it'll take a lot. Okay. Okay. You went further. Okay. We're talking about food. I don't even. Ça c'est ta femme, ça. Ça veut dire que c'est ta future femme. Ça fait des blagues, ça fait des vidéos avec des sucettes. C'est ta future femme. Le monde entier saura que c'est ta femme. Tout le monde est passé dessus et lui il prend les restes. Il dit tiens c'est bon maintenant. On est tous passés. Je pense que il manque quelqu'un ou pas à l'appel au niveau d'Hollywood. Laisse-moi voir la liste. Ouais, je pense qu'on est tous passés. Tu peux y aller, Logan. C'est vrai, c'est bon. Where we're at right now. What are you guys talking about? This. No, but that's the way you get attention. That's what I like when people are like, how do you get so many followers and so many likes and like showing up? Seriously. Seriously. That's what we all should do here to get just like Cosmo. Follow I don't there. Think it's gonna work for me. There's difference between like. Slutty nipple and cute nipple. All these clips that I've shown in this video are videos that Dylan posted on his Twitter. The reason why Dylan's being so relentless is because a while back when Dylan was supposed to fight Logan's brother, Jake Paul, Jake said that he slept with Dylan's girlfriend and Logan laughed about it. How many photos of Logan's girl have you posted? But at the end of the day too, it's like, I'm not taking leaked photos from like, if you dated her, right? And you sent me a picture of her naked in bed. That's like illegal. That's defamation of character. She's on the couch. How are you finding all these photos? Was that a Photoshop? She's one of those girls that's been in New York and dated over like, I was getting DMs from like guys that like were like with her, like just random like hedge dudes. But like, every girl's promoters. Like that, no? Or not? You're gonna wipe them up? I just think that Logan has, and now seeing how he's taking this personal stuff, like his mind is not there. What have you heard from them on their end? His own has put a little bit of a trap on me, but there's definitely trouble in paradise. I'm not gonna lie. I was like gonna praise him because like, you know, I'm all about like trans and like LGBTQ and everything. So I was gonna be like, oh, this is awesome. He like, has a fiance that's trans, so I thought she was. And then I looked it up, and it was a girl. And then I started seeing all the stuff, so I was like, oh, she's gorgeous, though. Do you feel bad for her? Do you think it's like, how do you think it's affecting her? Jake did this to me. I don't know if you remember when me and him were gonna fight, when he was saying that he was going at my girl, he was saying he fucked her, this whole thing. So like, it's a double-edged sword. Like, you can't talk all that shit and not be able to take it. That's the worst kind of person. I take that shit out on me because my brother hooked up with your ex. At least I got rid of this slut. You're marrying one. Dylan.
You ain't ever been with any girl as beautiful as my girl. Yeah, okay. My lovely every single guy in New York is who I love me. So relax. Much. My superstar whose apartment costs more than your entire net yeah, worth. Yeah, because Leonardo DiCaprio paid for it. Bro. Oh! Nah, nah, les gars, nah, nah, nah. L'amour, l'amour, oui, je sais ce que tu vas me dire, oui, l'amour, ouais, ça se fait pas pour elle aussi, tout ça, ouais, mais c'est le game, c'est lui qui a commencé, hein, c'est le game, et puis après, je pense qu'on s'en prend plus à lui, là, qu'à elle, hein, on s'en prend plus à lui qu'à elle, de toute façon, elle, c'est des trucs publics, donc je pense qu'elle a aucun souci, mais c'est ça aussi quand les femmes, elles réfléchissent pas, elles sont là, elles font les malines, elles font des blagues, elles s'exposent avec différents gars, elles font des OnlyFans. Et puis après, elle voudrait que le jour où elle se dise « Non, en fait, quoi, c'est bon, j'ai 30, plus de 30 ans, maintenant, non, j'aimerais oublier ce que je dis. Il faut arrêter maintenant. T'es insécure ? Pourquoi tu t'occupes de mon passé ?» Bah, oui, bah, les hommes s'occupent au passé de la femme comme toi, tu t'occupes de leur futur. Les femmes veulent des hommes qui ont, je sais pas moi, qui sont ambitieux, qui sont des leaders. Voilà, la femme va regarder au futur de l'homme. L'homme regarde au passé. Ce sera comme ça, ça va pas changer. T'auras beau essayer de leur, comment dire, leur foutre la honte ou leur faire croire que c'est des gars insécures parce qu'ils se préoccupent. Ils devraient assumer, hein. Et si c'est des vrais hommes, il y a aucun problème si jamais t'as connu toute la planète et te marier avec, et tu dois te marier avec moi quand même. Une fois que tout le monde est passé, hein, évidemment, évidemment. Là, t'es un vrai homme. À qui tu veux mettre cette disquette? À qui tu veux? C'est ça que je me demande. Mais là, après, Logan, il va jamais partir. Déjà par fierté. Parce que, en plus, je pense qu'il serait plus respecté si il partait quand même. Bah, alors, évidemment, tout le monde... parce que lui, il embrase le woke culture, tout ça. Donc, et il est à fond dans ça. Donc, ses fans ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais attends, t'es insécure? Tu te laisses influencer par des gars comme Andrew Tate ou des gars qui masculins, tout ça? Mais, donc, ils ne vont pas comprendre. Donc, dans tous les cas... Il est obligé de faire genre, moi ça me dérange pas, tout ça. Et par fierté, il partira pas, tu vois. Mais de toute façon, quand t'as une femme comme ça, les gars qui veulent changer les bêches là en femmes traditionnelles, les gars, ça n'existe pas. Elle a connu trop de gars. Ça veut dire qu'elle met aucune valeur sur ce qu'elle a entre les deux jambes. Et à partir du moment où il n'y aura pas de Nutella dans le frigo, elle va partir. C'est une évidence. De toute façon, c'est des statistiques, c'est pas moi qui le dis, c'est des faits, c'est des stats. À partir du moment où plus la femme a connu d'hommes dans sa vie, moins elle est apte à rester longtemps dans une relation, long terme. Donc c'est pas moi. Donc Logan, en plus d'avoir la honte comme ça, ta femme en plus, t'auras le respect de personne. Et c'est pour ça que les femmes ne comprennent pas quand on dit la femme est le reflet de l'homme. Personne respecte Will Smith. Jamais tu crois que c'est pas vrai ce que je dis, ou tu dis ouais je dis n'importe quoi, ou qui et n'importe quoi. Qu'est-ce que j'avais vu comme commentaire qu'on me disait? Bon, on s'en fiche. Will Smith, le gars, il a tout pété dans sa vie, dans tous les métriques possibles. Il a tout explosé, que ce soit écrivain, best-seller, film, tout ce que tu veux, tout ce qu'il a fait, rappeur, il a tout explosé au niveau des chiffres. C'est un ouf, ok? À chaque fois qu'il sort un film, il défonce tout. Box office incroyable. Une valeur sûre à Hollywood. Eh ben, les gens ne le respectent pas à cause de sa femme. Parce que sa femme ne le respecte pas. Parce que sa femme le trompe avec le meilleur ami de son fils. Et qu'elle vient sur le Red Table, là, son émission, là, t'as la table rouge. Et elle a dit devant lui, oui, j'ai couché avec le meilleur ami de notre fils. Mais c'était pas vraiment ça. C'était un truc vite fait, petite connexion, quoi. C'est pas. Voilà. Voilà. Et lui, tellement il est impuissant face à avec sa femme, hein, il n'arrive pas à lui soutirer du respect, il est obligé de la ramener sur son émission, là, Red Table, pour pouvoir en discuter. Juste après, tellement il est débordé. Voilà. Et donc, personne ne le respecte. Les futurs s'envoient des messages. Ouais, moi, je suis chaud si jamais Jada veut qu'on aille faire un tour ensemble. 50 Cent, s'il envoie des messages, ça troll Will Smith. Un truc qui serait jamais arrivé si Will Smith était avec une femme qui était qui le respectait. Qui le respecte, tout simplement. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Donc, la femme avec qui tu auras des enfants, la femme avec qui tu vas te marier, faut bien la choisir. Et éviter toutes les femmes qui ont des passés douteux. Parce que le monde ne va pas te respecter.
Personne ne respecte un homme qui a une femme, qui a un passé douteux, qui a connu plein de gars. C'est comme ça, ça sera toujours comme ça. Tu peux me tirer dessus, tu peux être vénère, ça ne changera pas la réalité. Tu peux être vénère que le ciel est bleu, hein. Tu peux t'énerver comme tu veux, mais il restera bleu. If Dylan thinks a single photo he's posted has rattled me at all, he's a dumbass. All right, so Logan Paul has an up. Alors, les gars, il y a Adam. J'ai tout rajouté. Il y a Adam 22. J'avais fait une vidéo là-dessus. C'est le gars. Si jamais t'as pas vu, c'est le gars qui a prêté sa femme à un acteur porno de 2 mètres, plus de 100 kilos avec 3 jambes, hein, qui a démonté sa femme. En plus, sa femme elle a kiffé. Elle l'a dit. Ah, j'ai kiffé tout ça. Ça en est même arrivé où l'acteur il a dit ouais, non mais techniquement j'ai frappé sa meuf mieux que lui. Ça arrivait à des trucs comme ça. Et sa meuf, tu la vois pour faire une scène de pornographie. Bref, de porno, excuse-moi. Donc ce gars-là, c'est ce gars-là maintenant qui veut, il veut intervenir. Il a des conseils. Il a des conseils à nous donner. Il a des conseils à donner apparemment à Logan. À partir du moment où c'est Adam qui vient à ta rescousse. At all, he's a dumbass. All right, so Logan Paul has an upcoming boxing match against this Dylan Danis guy, and Dylan's been going on a little bit of a campaign trying to embarrass Logan by pointing out all the guys that his now fiance has spent time with before Logan. This is Ja Rule. Dylan, I don't know how hip-hop fluent you are, but this is one of the GOATs. What's love got to do with it, huh? I'm not always there when you call, but I'm always on time. Dylan, this is one of the GOATs. If his girl has actually spent time in the presence of Ja Rule, then he should be proud of it. Personally, I think the more men that your woman has spent time with before you get her, the more desirable she becomes. How about that, Dylan? Also, why was Dylan Danis like the first guy in my girl's DMs as soon as she started to go viral with the Jason Love thing? I guess he says he's Armenian or whatever, but you're a perv, so let's just throw that out there. Non, mais je pense qu'il rigole. J'espère. Je pense qu'il troll quand il dit que le plus de temps ta femme a passé avec d'autres gars, de plus valuable, ça veut dire de plus la valeur. Non, il rigole. Je pense qu'il rigole, j'espère. Non, je pense qu'il rigole. Ou pas. Un gars qui peut prêter sa meuf à un acteur porno, et en plus sa meuf, elle ose dire devant lui, oui, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé. Non, peut-être que c'est possible. On vit dans un monde dégénéré, donc moi, je ne serais pas surpris. Je vais le prendre au premier degré. Je pense qu'il pense vraiment ce qu'il vient de dire. Donc, force à Logan, hein. Surtout les meufs qui parlent comme ça, de sexe ouvertement, comme ça, c'est des meufs qui vont vite. On sait. Alors, il y a les meufs qui font semblant, des fois, elles parlent beaucoup de sexe, machin, mais là, tu sais qu'elles parlent pas pour rien. Tu vois qu'elles parlent pas pour rien. Hein? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un lac, regarde quand même. Hein, t'as aussi Zion, mon club des 10%, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois, plus investir dans l'immobilier, trader les cryptos, enfin t'as acheté à toutes mes formations en fait. Bref, donc check ça dans la description, et les gars on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je vais être au camp.